Hey, salut tout le monde, c'est Rookie. Je voulais vous faire une petite vidéo comparaison entre la M4 du coup de Warzone 2.0 ou Modern Warfare 2 et la M4A1, l'original entre guillemets de Modern Warfare ou Warzone, donc maintenant Caldera. Et pour ce, donc deux petits gameplays avec chacune des armes et on commence sur Warzone Caldera avec la M4A1 et on se retrouve à la fin pour les classes des armes. Hey frérot! Oublie pas de t'abonner! Bah ouais, faut faire croquer les petits frères, mettre la daronne à l'abri. Allez, c'est ça mon gars! Le gaz se rapproche! Drone ennemi actif! Transmise. Balancez la sauce. Ici Phoenix 3, frappe imminente. Bravo, bienvenue. Les prix retrouvent leur cours normal. L'ennemi est toujours vivant, je répète, l'ennemi est toujours vivant. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, teammate, team, ah! Mais si vous perdez, c'est ça. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldat. Retournez au combat. Bien joué. Drone ennemi actif. Ça va aller. Bon. Ah! Il en restait moins de 10. Survivez jusqu'à la fin du chrono pour être déployé. Obtenez des points pour accélérer le compte à rebours. Ici 1-1, je demande une reconnaissance immédiate. Reçu. Drone arrivé sur zone. Reconnaissance en cours.
Il faut savoir apprendre de ses échecs. Hey, salut tout le monde, c'est Rookie pour la classe M4A1, la OG. Alors, j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire, hein. J'ai vraiment mis celle que la plupart des gens utilisaient sur Verdansk, puis. Alors sur Caldera peut-être moins, mais en tout cas sur Verdansk, c'est-à-dire silencieux monolithique pour tout ce qui est donc silencieux portée dégâts et vitesse des balles, même si ça le dit pas. Cross de grenadier M16 pour portée dégâts, vitesse des balles, contrôle du recul. Le viseur holographique pour pas trop pénaliser le temps de viser, puis avoir une belle image du viseur avec forcément le réticule point bleu. Et poignée avant de commando, pareil, contrôle du recul. Et chargeur 50 cartouches parce que je suis en solo, donc 30 c'était peut-être un peu raide, 60 c'était pas nécessaire à mon goût. Du coup pour la M4 de Modern Warfare 2 ou Warzone 2, voici les accessoires que j'ai mis. Grosso modo un peu dans le même style que la M4-1 sur Warzone Caldera, avec un chargeur 45 cartouches donc augmenté parce qu'il nous faut des balles quand même pour être à l'aise à longue distance. C'est quand même l'arme de longue distance dans notre arsenal. Une poignée FTAC Reaper 56 pour le contrôle du recul ajusté de cette manière là, donc tout au maximum. Contrôle du recul et de l'oscillation du viseur. Un silencieux comme sur la M4A1, l'équivalent du silencieux monolithique, donc le Harbinger D20 pour la vitesse des balles, la portée des dégâts. Et là j'ai mis donc visée accélérée dans l'ajustement parce que recul faible, bon. Il n'y a pas forcément besoin. Et deux derniers accessoires, c'est le canon. Donc le canon, le meilleur, Light Tower 20 pouces, qui permet donc porter dégâts, vitesse des balles et stabilité de recul. Et c'est ce qu'on met à fond. Et le viseur IM OP V4, qui pour moi est un des viseurs méta depuis le début sur Warzone 2, avec donc visée accélérée et position de l'œil lointaine au maximum. Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay. Je vous dis ciao, ciao tout le monde. Du coup, en conclusion, pour moi, les deux se valent, les deux sont très fortes sur leurs jeux respectifs.